Hello tout le monde et bienvenue sur le campus de cette Salty Academy. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield, on est dans ma chambre, mais n'y restons pas puisque j'ai pas mal de choses à vous dire et en particulier sur la présentation du changement du loadout, à savoir des attachments qui sont sur votre arme in-game. Let's go. Remember it. Alright, aujourd'hui donc on va parler en détail de la customisation des armes, mais pas n'importe quelle customisation. On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, on avait déjà vu la customisation directement eh bien, des spécialistes, puis des packages des spécialistes qui sont en fait des packages qui sont déjà préétablis pour pouvoir sauter dans le champ de bataille directement. Puis après, la possibilité, comme on le voit à l'écran, eh bien, à l'intérieur de ces packages, de venir customiser les armes et ou les gadgets avec lesquels on va partir. Et là, on va rentrer dans le dernier élément de cette customisation. Donc, c'est vraiment bien fait. On a une stratégie d'entonnoir qui est bien respectée par Battlefield. Et ces derniers éléments, eh bien, vous allez le voir, ils se passent directement in-game, en fait, puisque je vais avoir directement la possibilité de customiser mon arme en appuyant sur l'une des touches qui est donnée par défaut, qui doit être la touche T, il me semble. En utilisant la touche T, c'est celle qui est par défaut. Alors moi, je l'ai mis sur N, j'ai vraiment trop l'habitude d'utiliser T pour talk, donc pour parler. Et en appuyant normalement sur la touche T, vous allez avoir ceci, qui est vraiment, vraiment, vraiment super sexy. Bon déjà, alors ça rappelle énormément Crysis, pour ceux qui ont connu Crysis. Vous avez la possibilité, en fait, eh bien, de customiser votre arme on the fly, c'est-à-dire directement sur le champ de bataille. Et quand je dis customiser votre arme, bien évidemment, ce sera les différents canons. Alors, l'intérêt de ça, c'est de la possibilité de le faire extrêmement rapidement, de ne plus avoir eh bien, beaucoup de menus et de sous-menus. On a compris ça, Battlefield a vraiment envie en fait qu'il y ait la possibilité d'avoir beaucoup de détails. Donc, on peut avoir des armes qui sont extrêmement customisables avec des agents ou des opérateurs, des spécialistes qui sont eux-mêmes extrêmement customisables. Mais on a aussi la possibilité pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui ont envie de partir directement, de partir avec un spécialiste et d'avoir le package auquel on pourrait s'attendre en prenant tel ou tel spécialiste. D'accord ? Voilà. Du coup, on a quatre différents éléments là qui nous sont présentés devant nous. Bien évidemment, la possibilité de choisir les canons. Alors, chacun de ces éléments, comme c'était déjà le cas sur BF3 et BF4, sera débloqué au fur et à mesure que vous gagnerez ou perdrez, en tout cas que vous allez grind le jeu, tout simplement. Les différents attachments, du coup, eh bien, vous avez les différents canons. Alors, l'avantage, c'est que juste derrière ma tête, eh bien, on voit très rapidement quels sont les avantages et les inconvénients, justement, de chacun des attachments qu'on va vouloir rajouter. Donc, pas besoin de se prendre la tête pendant des heures à essayer d'avoir un élément comparatif. C'est vraiment très bien expliqué. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très cool. Donc là, par exemple, je vais avoir le canon standard. Si j'ai envie de rajouter un canon long, donc on va avoir, on le voit apparaître juste au-dessus de ma tête, on a la projectile velocity qui est un petit peu augmentée, c'est-à-dire qu'en fait la balle va partir plus rapidement en sortie de canon, ce qui veut dire qu'il y aura moins de drop pour ceux qui comprennent. Et puis là, directement, eh bien, derrière moi, on a les stats qui nous sont données. On a plus d'accuracy, donc on est plus précis, on a plus de range avec ce que j'expliquais juste avant, étant donné qu'il y a une vélocité qui est plus grande en sortie de canon, et on va avoir un handling qui va être un peu inférieur, c'est-à-dire qu'on a plus de recoil en fait. Donc c'est très bien, c'est extrêmement simple à comprendre, donc on a la puissance de feu, la précision, la range, à savoir la distance, et derrière le handling, à savoir le recoil. Pas besoin, pas de fioritures sur les explications qui sont données derrière, et c'est vraiment, vraiment très sympa. Bon, par exemple, là, on peut mettre un canon qui nous donne que du bonus, avec une accuracy qui est supérieure, par exemple, et un contrôle du vertical recoil, qui est marqué tout au-dessus, qui est amélioré. Donc voilà, c'est un petit frein de bouche, tout simplement. On va enlever la mire lisse qu'on a dès le début du jeu, hein, pourquoi pas. Et comme vous le voyez, ici également, eh bien, chacun de ces attachments va avoir un impact sur les stats qui sont derrière moi. Ici, on va rajouter un holo normal. Et puis, on va pouvoir aussi, bien évidemment, s'amuser sur la capacité des magazines, changer les magazines et, in fine, changer aussi les attachements qui arrivent devant, à savoir sous votre garde-main, à savoir des poignées et ou, pourquoi pas, même jusqu'à l'utilisation de lance-grenades. Donc, des choses qu'on a déjà vues par le passé, rien de
novateur, si ce n'est quand même qui apparaît derrière moi, à savoir directement la possibilité de le faire in-game et de ne plus s'embêter dans les menus. Et ça, c'est le premier élément qui est extrêmement important. Et en plus, la possibilité, tout simplement, en fonction de la situation, de venir changer on the fly avant de rentrer dans un combat, eh bien, tel ou tel attachement qui serait sur notre arme. Par exemple, il y a eu plusieurs fois où, au moment où je rentre dans un bâtiment, je vais avoir envie de changer mon réticule. Et quand je me balade sur une map comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec énormément de range, avec une grosse distance, forcément, je vais venir jouer une arme avec la possibilité de zoomer, ce qui ne sera pas le cas si je vais faire du CQB, par exemple. Donc, je trouve ça vraiment très sympa. Et comme on le voit, c'est vraiment très, très rapide. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On appuie sur le bouton T par défaut, N pour moi, et on vient changer comme ça les éléments en fonction de la situation et surtout en fonction de ses goûts. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation des attachments sur Battlefield et en particulier sur l'open beta. Bien évidemment, on vous laisse le soin d'aller découvrir dans cette bêta qui est disponible eh bien, les autres éléments, en particulier sur les attachments. Voilà ce que ça donnerait par exemple sur une autre arme comme l'AK-24 avec bien évidemment, on pouvait s'y attendre des viseurs qui sont beaucoup plus adaptés à ce type d'armes. Donc très sympathique, vraiment. Après, c'est une arme que j'ai pas énormément utilisée, donc à l'heure actuelle, je n'ai pas encore débloqué beaucoup de choses, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a vraiment déjà beaucoup de choix disponibles de base. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. On ne va pas toutes vous les présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas directement à télécharger la bêta et à y jouer. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Donc n'hésitez pas à aller tester ça sur le champ de bataille. Vraiment très très sympa, comme vous pouvez le voir, cette possibilité de customiser toutes les armes. Merci infiniment, en tout cas, à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres éléments que vous aimeriez voir sur cette open bêta ou surtout... surtout à partir de la sortie du jeu qui sera disponible normalement le 12 novembre. Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Ça permet d'aider les monteurs. Merci infiniment à vous. Ciao. Bonne journée sur le champ.